Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous tous et merci parce que vous choisissez Télévision Nationale d'Haïti pour informer. Bienvenue dans l'édition Nouvelles A. Pourquoi il est là en ce moment pour nous recevoir collaborateur Nouvelle Apollidor pour conditions météorologiques là, n'a pas quitté au suivre. Salut les amis, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique là. On a vu comment conditions météorologiques là, le pays a très nuageux au cours de journée. On a vu qui ça fait ça. Nous avons un tropical qui a traversé le pays d'Haïti au cours de jeudi et un tropical ça. J'en vois sous image satellite là. Il y a quelques activités convectives qui marchent ensemble avec lui. Et c'est pour ça que jeudi on a partagé avec un temps qui nuageux au cours de journée et en soirée avec possibilité de vous gagner quelques averses la vie sur certains départements pour jeudi. Il y en a un département qui a concerné pour la pluie. Nous avons une région nord qui a concerné par activité la pluie au cours de fin d'après-midi et en soirée. Le département Artibonite et le centre aussi sont supposés concernés par activité la pluie. À la rigueur, l'ouest et région sud là aussi a concerné par activité la pluie au cours de fin d'après-midi et en soirée. Il faut que nous disions ça. La traverser le pays et lui vraiment venir avec quelques instabilités capables de provoquer quelques activités rapides. Jean nous dit là, sous région nous saute cité là. Capitale Port-au-Prince, pays d'Haïti, c'est une capitale qui aussi en bas. Instabilité avec un nuage au cours de journée et en soirée avec quelques averses rapides qui étaient possibles et surtout dans le quartier qui au sud de capitale là avec un monde là c'est toujours une possibilité pour gagner quelques averses rapides capables de faire à modérer avec quelques coups de l'orage et n'a pas une température qui a monté aujourd'hui jusqu'à 35 degrés Celsius et puis va la descendre c'est 24 degrés. Gagnons la mer qui est agitée sous côte sud pays d'Haïti et jusqu'à Fort au large, mais pour côte nord avec golfe de la Gonâve, c'est une mer qui peut agiter. Captain, une précaution, surtout pour côte sud pays d'Haïti. Elle a couché jeudi à 7h24 et l'a levé demain matin à 6h27. Mesdames, Messieurs, merci pour fêter nous avec attention. Nous nous croisons demain pour notre page en météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. C'était avec nous Wilner Polidor pour page météorologique là. Nous disons gros merci à Wilner Polidor et bon après-midi. L'autre information dans le journal ça, tribunal première instance Port-au-Prince là, démarré deuxième semaine assise criminelle avec Jirio lundi 30 juillet 2018 là. Pendant plusieurs jours, tribunal criminel là a bien pour traiter dossier cas enlèvement, ak séquestration, assassinat ak en pile l'autre cas encore. Dans le reportage avec Sainte-Croix-Paqui et puis Lower Darly Jean-Jacques. Plusieurs jours, dans le cadre assises criminelles avec jury, tribunal là a gagné. Dans un tribunal premier instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville expliquait ces 4 audiences par jour qu'a organisé. Te compte environ une trentaine de cas avec jury. C'est ça qui fait contrairement à l'autre année, nous fixons chaque jour 3 audiences criminelles avec assistant du jury. Comme l'année dernière, nous avons gagné une audience criminelle avec jury. Et quand nous avons gagné une quinzaine de cas, nous venons vers Anessa. Ils continuent à travailler, ils continuent à prendre des audiences. Pour voir mon dans le tribunal criminel avec jury, c'est ça qui fait une trentaine de cas. Anessa qui est en état pour le recevoir jugement. Au lieu de nous faire une ou deux cas avec jury, nous avons fait 3 cas avec jury chaque jour pour nous permettre de nous évacuer tout dossier criminel qui est en état. Pour attendre la voici n'attendez tout. On va gagner trop de problèmes. Mouvement grave venu lundi, pas qu'il n'y a aucune conséquence sur le déroulement assises criminelles. D'après le tribunal premier instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, côté jugement, a continué dans différents chambres. Mais vous dites assises, c'est là, criminel, monde qui trouve le monde. Non, je ne connais pas en détail. Moi-même, je suis un petit problème dans le cas. Je suis bon, peut-être en quelle session on attend de lui. Mais je vous dis, assises criminelles, c'est le monde qui trouve le monde avec le jury, c'est le monde qui trouve le monde. Ou bien il y a un meurtre, ou bien il y a un assassinat, ou bien il y a un infanticide, ou bien il y a un parricide. Mais comme par l'autre cas, bon, je pense que j'ai toujours parlé de l'État pour l'insémie en ville, si demoiselle a été enlevée, elle a été séquestrée, elle a été tuée.
m'a regardé avec le commissaire gouvernement si acte d'accusation est rédigé la donne. Comme c'est pendant toute vacances temps, m'a continué à faire des audiences criminelles sans assistance du jury. Si acte d'accusation est rédigé, le signifie, n'a pas fait interrogatoire transfatique pour nous fixer audience là pour qu'à ça, tant qu'on a toujours dit, l'on condamné criminel là, ça va vouloir dire que parents, pas le rejoindre mon était perdu là, mais au moins, la soulager. Pour le vrai, mon n'a fait un bagage, mais le payé pour ça le faire, en pire, lui joindre des condamnations à des dommages intérêts, tout pour préjudice qu'il causait à ma famille. Assise criminelle avec jury qui démarrait le 30 juillet 2018 là, à bout, 10 août Cap Vignan, tribunal là a gagné pour traiter environ 30 cas. Assise Sayo rentré dans le cadre, j'ai fort autorité, la justice a fait pour réduire détention préventive prolongée. Merci Paki ak Darli. Dans ce qui gagne pour un travail qu'a fait dans le cadre de caravane changement, travail asphaltage route Carrefour Méridien dans le département Sud avancé. Ensemble travail ça yo a fait sur route ça qui mène dans la localité Chantal ak 16. Daline Dorival a dit nous plus dans le reportage. Travail asphaltage ça yo avancé sorti Carrefour Méridien pour arriver 16. En pile monde dans zone là expliquer difficulté ak traka yo qu'on a traversé si tout les la pluie tombée. Pendant y a exprimé contentement yo pour travail ça yo. Grand pile gouvernement qui passait. En bon dans zone là, yo toujours promettre que y a fait un bagage pour zone là, pour commune là. Ah, rien pas en fait. Heureusement pas les mettre là et bien nous voit que nous venons bénéficier chez d'av ça, route ça qui médiou les gagne deux gros marchés. Marché du 6 qui relié à Chantal, comprend? Zone ça médou c'est une zone qui a une extension extraordinaire. Nous pas grand mot pour nous dire président Jovenel Moïse et équipe là est capable de ça TNH, c'est une grosse satisfaction pour commune Torbeck, surtout localité de Bayard. Auparavant les nous t'en route là comme si ou joindre l'aide l'eau les l'appui c'est pas ton grand initiative les vous à l'école tout ça c'est une c'est misère ballant puis rap sale et pas du tout bon mais journée jeudi a et l'enquête bouda et bouda je suis content parce que je suis content ça qu'a fait là et moi-même m'a dit président Jovenel Kimbi là parce que nous elle a travaillé même là on a joindre ça on a joindre pour on joindre compte positif pas jamais marcher sans négatif pas tout joindre ça mais n'a dit pas décourager Kimbi là qu'elle continue de travailler. C'est donc à la soir pour me sortir là quand même pour me vider dehors, sinon paquet de misère pour me passer, parce que de l'eau, poussière. Bon, remercier le monde qui rend la possible, la présidente, surtout, depuis tes zones moyennes. À Richardson Jordan. Ville, on s'est terminé, nous, dans un premier temps, dans Dame, nous, section communale, marchand des salines, côté plusieurs techniciens, centre national, équipement, tant mes travail sur ça qui te compte bay habitants zone là en pile problème les la pluie tombé tout de suite après équipe TNH là te rendre sur route Ténèbres Gonaïve là pour aller regarder dans qui point travail qu'a fait sur route là constat yo montré gain élargissement qu'a fait et puis terrassement a continuer sur toute route là après nous te rendre nous dans zone pile beau c'est toujours même constat c'est terrassement élargissement à caniveau cap fait sur route présence concoc là travaillo pas campé la journée coulant nuit technicien yo a continué à terrassement et puis élargissement dans l'idée pour finir à travaillo dans délai qui prévoit c'est même constat sur route Bédouré qui c'est communal limbé côté habitant yo exprimé qu'est content yo virons ça té al fini dans commune limbé côté plusieurs rues dans centre ville là. Voilà, on t'a suivi différents travaux qu'a fait toujours dans le cadre caravane changement. L'autre dossier, directeur régional Média Guyane, la première, dans tête yon délégation, visite Télévision Nationale d'Haïti lundi 30 juillet. Dans le cadre de visite ça, directeur général radio et télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, ensemble avec directeur régional Guyane la première, promettent pour faciliter le développement dans le cadre d'un partenariat en deux médias. Johnny Arbi Kaseyus, Abdino Plis. Bité environ 11h30 le matin, les délégations ça qui est en tête, directeur régional Guyane la première, Jean-Claude Otine Noé, rivé dans la télévision nationale d'Haïti. C'est directeur général radio et télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, qui accueille délégation.
Après environ 45 minutes, tu t'as parlé sous projet émission et échange contenu au prévoir qui t'a dû fait en 2010. Directeur général radio et télévision nationale d'Haïti a réalisé une visite guidée avec délégation. Selon directeur général RTNH, l'initiative ça a permis de rapprocher au plus de communautés haïtiennes qui vivent la Guyane. Les gens tout besoin de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Ils ont besoin de culture, je pense que son gros offre lié pour Haïti. Parce que je vous dis à la Guyane première décidé pour partager contenu avec la chaîne d'État Télévision Nationale d'Haïti. Son échange lié parce que comme télévision, nous chaque bon bail qu'on a offert l'autre. À travers des masses, nous voulons gagner plus de connaissances sur qui est haïtienne, coutume li, et puis partager avec vous ce qui est nécessaire pour renforcer les liens amitiés qui existaient entre Guyane et Haïti, d'après Jean-Claude Otinoé. Que nous parler, que nous reconnaître, que nous peut échanger, que nous peut densifier les échanges et puis amener aussi une meilleure connaissance des hommes. Nous vivons dans un monde qui est ouvert maintenant avec le développement du numérique, tous nos courants de tout, donc il faut que nous adapter à ce monde qui change. Projet ça, pour permettre aux gens qui sont dans l'autre communauté, d'avoir une idée qui différente sur Haïti par rapport à l'information qui qu'on a circulé sous pays, dans une série média à l'étranger, selon le rédacteur en chef, Guyane la première, là, Bertrand Villeneuve. Haïti, c'est une richesse patrimoniale extraordinaire, une recherche culturelle extraordinaire, une richesse politique extraordinaire, et puis aussi des paysages, un vécu, et puis des gens. On a fait le tour des marchés hier pour voir les artistes, etc. Donc il y a toute cette partie d'Haïti à montrer, cette partie positive. Après visite là, directeur régional Guyane la première là, invité responsable média d'État pour visiter Radio et Télé Guyane. Il y a une visite qui a dû réaliser dans le mois d'octobre qui a venu là, selon Jean-Claude Otinoé. Merci Albi et PEMS qui t'a montré nous en gros qui Jean visite sa télé. Dans l'occasion 50e conférence lundi la presse, le ministère communication recevoir lundi 30 juillet 2018 là, directeur général fonds assistance économique et sociale là, Charles Ernest Châtelier. C'était l'occasion pour directeur général Fayez là présenter divers projets de développement et programmes sociaux. Institution ça a réalisé dans tête collée avec ministère affaires sociales et travail pour améliorer conditions la vie population, hein, si tout si la yo qui pin en nécessité yo. La plutôt suivi un extrait dans micro Rachel Saint-Fort. Panier solidarité, que nous tout les kits alimentaires yo. Nous gagnons restaurant communautaire yo. Ensuite, nous gagnons cantine mobile. Si nous prenons premier composant là, qui c'est panier solidarité. Pour nous aujourd'hui, si nous gardons, nous dit qui objectif panier solidarité. C'est arriver permettre à une famille qui gagne à peu près moins passé 5 mois pendant au moins 2 jours. Composante qui est alimentaire là, nous avons la donne. Maïs, du haricot, huile de cuisine, pâte de tomate, et spaghetti. Pour vous, à l'heure que nous pas, dans le moment où nous parlé à là, nous avons distribué sur tout le territoire pays 858 282 kits alimentaires. Deuxième élément qui est dans la première composante là, qui c'est cantine mobile là. Cantine mobile, nous avons c'est plat chaud qui est distribué par la population. Hein, pour payer pour recevoir un plat chaud. Qui résultat n'a pas tant avec cantine mobile, c'est arrivé toucher plus que 100 000 monde. Mais malheureusement, comme nous connaissons, dans la catastrophe 6 avec 7 juillet qui était passé, cantine mobile ça yo, pour la plupart qui étaient dans PNCS, yo dilapidé la dan yo et yo boule pi fort. Les plus forts qui sont gros pertes pour l'État haïtien. Parce que quand ils mobilisent, c'est eux-mêmes qui ont utilisé pour nous faire bailler la population à manger. Mais comme étant donné le président Jovenel, il n'est pas d'accord pour le programme ça font campé. Comme il y a un département, Gandans particulièrement, que nous avons gagné après Mathieu, nous avons mis plus que deux cantines, deux à trois cantines dans la Gandans, c'est juste pour nous soulager le problème population Gandans là. Donc là,
En toute urgence, nous avons fait rentrer, au moins il y a un qui est là déjà, l'autre là sur route, l'a vini, a fait rentrer deux cantines pour nous passer là-dedans, pour le programme ça, pour le cas, recommencer le plus vite que possible. Donc, pour période 17 de octobre à juin 2018, nous avons distribué 229 000 plats chauds gratis sur tout le pays. Lundi 30 juillet a marqué Journée mondiale Nations Unies contre traite moun. Dans l'occasion, l'ambassade américaine en Haïti réalisait une projection film qui baptisait La Lose House qui montrait à clair mauvais traitement timoun yo sibi dans maison timoun au soir dans Felina yo. Un reportage à Marguerite Auguste et Hervé Pierre. Journée mondiale Nations Unies, ambassadeur américain Michel Jeanne Saison fait connaître traite monde considéré comme un fléau mondial qui méritait j'effort tout secteur pour combattre lui. Diplomate américain salue bataille différentes organisations qui a lutté contre traite monde a fait en Haïti pour mettre un bout dans trafic ça. La question de sensibiliser les gens concernant la situation des victimes de la traite des personnes et de promouvoir et protéger leurs droits. Et nous continuons de travailler avec le gouvernement haïtien pour lutter contre ce défi mondial. Et je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'USAID, prévoit un nouveau programme de lutte contre la traite des personnes de 5,7 millions de dollars américains sur 4 ans pour soutenir les efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de la traite des personnes. Directrice générale bien-être social là, Ariel Gentil-Villouin, reconnaît situation ça à la cause en pile jeune timoun victime. Li kwè li important pour ta gen bon jan programme social solide pour permettre parents yo gen moyen nan men yo pour prendre soin petit yo. On a 280 000 enfants en situation de domesticité. Donc pourquoi? La réalité c'est que les gens ne travaillent pas, les gens n'ont pas de moyens, donc les familles ne sont pas renforcées. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait des programmes sociaux vraiment bien établis et qu'on puisse permettre aux enfants maintenant de vivre dans leur famille. Parce que il faut commencer par voir. On parle de lois, de procédures et de tout ça. Mais essayez quand même de voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Essayez de mettre l'enfant, essayez de mettre le personnage et de voir ce qui est la protection vraiment, ce qui est l'important, ce qu'on doit faire pour agir, pour protéger, pour améliorer les conditions de vie. C'est manque un cadre juridique qui la cause en pile cas traite monde été impuni d'après juge coup d'appel Port-au-Prince Noah Agent. Expliquer travail au fait sous trois aspects qui c'est protection, prévention et répression. Il retirer toute responsabilité bureau protection mineure et gagné dans traitement dossier mineur yo, yo fois yo remettre yo la justice. Nous faut tant du côté de la police, de la justice et de l'administration publique, il faut prendre nos responsabilités. Parce qu'on est des auxiliaires de la justice et notre mission, c'est de rechercher, trouver des indices concordants, préparer la procédure et de la transmettre aux autorités judiciaires. Je vais parler du protecteur né des enfants et des paysans, le commissaire du gouvernement. En Haïti, il y a 200 000 timons qui sont en situation de monde d'après la directrice générale bien-être social. Là. Ariel Gentil-Villouin fait connaître sur 770 maisons timons, au soir orphelinat, il y a déjà fermé 160 pour mauvais traitement. Il a annoncé qu'il y a l'autre qui va le fermer toujours. L'autre nouvelle, le secrétariat technique État généraux sectoriel Nation a rencontré secteur protestant lundi 30 janvier à 30 juillet. Rencontre sa fête dans l'idée pour continuer à réfléchir et puis faire proposition sur divers problèmes pays a fait face depuis plusieurs années. Rodney d'Orléans n'a eu un compte rendu. Rencontre ça, c'est l'occasion pour protestants yo mettre campé plusieurs ateliers pour réfléchir sur problème toute qualité pays d'Haïti a fait face depuis quelques dates. Identité culturelle, éducation, problèmes économiques, c'est quelques parmi divers thèmes qui étaient dans mitan discussion yo. Peuple haïtien, son peuple qui souffrit des troubles identitaires. Donc il y a des troubles identitaires qui graves et que dès que on parle culture en Haïti, il y a tendance à référencier la culture au vaudou,
Or, le vaudou, c'est un élément de la culture haïtienne. Nous dit que s'il n'y a pas de culture, il faut qu'on redéfinisse des cultures, il faut qu'on redéfinition de la culture. Et en tant que culture, il y a un élément important, c'est la langue. Parce que nous avons un pile problème en Haïti. Question de langue que nous avons utilisée pour l'apprentissage. Le français, faut nous capables d'apprendre le créole bien, apprendre le français bien, mais c'est surtout qu'il y a l'autre langue étrangère tant que l'anglais qui est capable de permettre que nous ouvrir à l'autre culture qui sont source d'enrichissement mutuel. Mettez en évidence des techniques d'enseignement pour capable permettre que nous gagnions des professeurs qualifiés pour que l'éducation nous soit capable d'aller plus loin. Curriculum nous a tenu en compte de certaines notions, par exemple des droits de l'enfant, comment que nous prenons déjà à l'école pour si nous qu'on ait droit, les compétences de vie mettaient accent sur les compétences de vie. Lorsqu'on parle d'économie, il y a une thématique qui est extrêmement importante qui est entrée en ligne de compte de nos jours, c'est la gouvernance économique. Et lorsque vous parlez de gouvernance économique, gouvernance économique, il marche avec gouvernance administrative et gouvernance politique. Et ce sont ces trois éléments qui constituent la gouvernance nationale. Donc, pas qu'à gain gouvernance économique, sans que pas gain gouvernance politique, sans que pas gain gouvernance réduite à sa plus simple expression. Toujours dans le cadre de rencontre ça, protestants yo identifié et puis fait proposition sous problème santé à politique qui a ravagé pays d'Haïti. Nous recommandons pour encadrer et pour yon voyer en pile l'autre jeune aller dans l'autre pays pour nous gagner spécialisation, pour yon gagner spécialisation dans tout ça qui a rapport avec nous. Tout ça qui a rapport avec nous la vie pour nous bon équipe monde qui est là et c'est pas monde qui prend le courir qui te paye pour ça faire pas bon pour yon jeune encadrement pour yon capable de servir la population parce que nous c'est un peuple. Même j'ai à tout peuple, nous respirer, nous gagner, nous gagner pied, nous marcher, même j'ai à tout le monde. Que système présidentiel là, t'as meilleur. Pour qui ça? Parce que t'as bon président, ou t'as bon vice-président. Système fédéral là, tout le pas mal. Parce que t'as connu chaque commune ou bien chaque département géré, et même j'ai avec système américain hein, qu'on y a. Donc, est-ce que nous-mêmes, nous tenons à arrêter dans le système semi hein? Qui pas bon pour nous du tout, ou est division claire, ou bien est-ce que nous venons avec le système présidentiel là qui dit que nous venons avec président nous, vice-président nous, qui tout est réglé question de division dans la base. Après cette rencontre, ça, représentant yo dans le secteur protestant a tourné dans l'église pour continuer série discussion yo une façon pour remettre avant longtemps yon cahier d'oléance avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation. Mon côté parle, président Fédération protestante d'Haïti, pasteur Sylvain Exantus, félicité secrétariat technique état généraux sectoriel nation pour engagement yo prend pour rencontrer tout secteur pour brasser l'idée sur ensemble problème pays. Président FPH là fait connaître secteur protestant pour continuer travail yon façon pour GNS là réussir. N'a qu'à suivre yon extrait. Nous du secteur protestant nous connaissons, nous avons une grande contribution pour nous porter dans devenir pays, puisque la moitié de la population haïtienne, c'est protestant. Nous, pendant une heure, presque deux heures de temps, nous avons réfléchi et nous avons un pile problème, nous avons quelques solutions et engagements également. Mais nous disons, par rapport à poids secteur protestant et par rapport à poids problème, c'est un bagage qui m'a demandé 3 jours de réflexion pour nous capables de produire un document consistant qui va gagner énoncer problème. Parce que le principe a dit si problème yo énoncé, ou déjà gain moitié dans solution. Et nous promettons, comité de pilotage là, que l'ensemble des groupes, des différents secteurs
d'activité dans le secteur protestant qui commence à réfléchir, Jean nous fait aujourd'hui, qui peut retourner la caillou, nous va rencontrer ensemble avec le peuple là, parce que nous avons besoin que le travail du comité de pilotage ait atterri. C'est pour moi qu'après, dans l'air et à l'oral, comme si c'est nègre en l'air qui réfléchit pour mon en bas. Nous-mêmes, nous allons descendre à joindre fidèle. Tout pasteur qu'il a yo, avec leader qu'il a yo, il prend engagement pour aller descendre joindre peuple là, ramasser l'idée et ensuite pour faire synthèse et voyer ben, comité de pilotage là selon chaque domaine de réflexion ou thème de réflexion qui ça nous a comme problème, qui ça nous a comme solution et comment nous-mêmes comme protestants avons engagé nous pour nous aider dans la résolution problème ça. C'est le moment pour nous prendre une pause dans le journal là, pas déplacé, Naptonet. Dans le pays Lord Bodlo, d'après une révélation, journal Washington Post fait lundi 30 juillet 2018, la Corée du Nord pas suspendre fabriquer missiles. Chef diplomatie américain Mike Pompeo a admis pendant déroulement une audition dans le Congrès que Pyongyang continue à produire matériel nucléaire. Nous allons suivre un reportage. Corée du Nord continue à faire missiles intercontinentaux, plusieurs missiles qui sont capables d'atteindre les États-Unis. C'est un journal américain Washington Post révélé lundi 30 juillet 2018. Le journal a basé l'information sous preuve li gagné à travers diverses agences renseignement américaines. Actuellement, il y a un missile et une possibilité pour ces deux cap fabriqués dans un grand complexe recherche tout près Pyongyang. Révélation ça est faite quelques jours après chef diplomatie américain Mike Pompeo a admis pendant déroulement d'une audition dans le Congrès. Pyongyang continue à produire matériel nucléaire. 12 juin passé, dans le cadre du sommet historique Singapour, là, Kim Jong-un a réaffirmé l'engagement pour dénucléariser la péninsule nord-coréenne, mais il n'y a pas de bail au calendrier. Dans le dossier sport, sélection haïtienne football Pipiti passé 23 l'année a disputé jeudi face à Honduras, match 3e à Kandia dans le pays Singapour dans le cadre international Cup. Voilà, c'était un plaisir pour nous être ensemble et c'est la journal la boue pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. L'invité était branché pour suivre cette programmation. En pas oublier, rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bonsoir tout le monde.